Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de geocaching. Nous allons tenter de découvrir les 7 merveilles du monde. À Saint-André, le long de la rivière du Pin. Ouais, Saint-André, les 7 merveilles du monde. C'est voilà. Bon. Alors bien sûr nous sommes en famille. Hein, et nous sommes accompagnés de 2/3 de nos géocaches. Nous avons Guinness. Et Pixie, voilà. Et cette petite marche va s'effectuer au long de la plage, notamment de Saint-André, la magnifique plage non baignable. Et après, on va remonter un petit peu le cours de la rivière du Marne. Voilà, allez, on se retrouve pour la première cache. Alors, on est arrivé sur les lieux du Taj Mahal. Ça y ressemble pas beaucoup au palais du Taj Mahal. Hein. Si ? Voilà. Alors, on va rechercher une boîte d'une taille petite. Et moi, je crois que je l'ai trouvée. Alors, on va voir si Selena arrive à la trouver. Tu veux pas la trouver, Selena? Ah. Allez, on se retrouve à la prochaine. Et nous voilà au Colisée de Rome. Bon, l'environnement, c'est toujours pas tout à fait ça. Hein. Mais bon, les 7 merveilles du monde à Saint-André, quoi. Voilà. Guinness nous aide à chercher, à sa manière. Bon, on n'aura pas trouvé le Colisée de Rome. Pourtant, il est gros. Hein. Mais... Donc voilà, on se dirige vers Chichen Itza. A tout à l'heure. Et nous voici arrivés au temple aztèque. Voilà le temple aztèque. On va laisser Selena chercher. Alors Selena, c'est pas la peine de monter dans l'arbre, ma puce, parce qu'elle est par terre. Moi, je l'ai déjà trouvé. Enfin, je l'ai vu en tout cas. Et là, on regarde Pixie et Guigui. Hop. Voilà, donc on se retrouvera pour la prochaine merveille. Et nous sommes arrivés au Machu Picchu. Et oui, c'est à mon avis au pied de cet arbre-là. Voilà, Machu Picchu. Est-ce que ça ressemble à ça dans la véritable vie? Sur la cordillère des Andes? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, on y est. Allez, on cherche. Et nous voici arrivés au Christ Rédempteur. Donc c'est... Oh, Selena l'a déjà trouvé. Wow. Bon, ça aurait pu être sympa qu'il y ait un calvaire avec tout le banc de calvaire qui n'est à la Réunion. Franchement, on aurait pu faire un effort. Allez, on se retrouve à la prochaine. Et nous voici arrivés à Ptera. Voilà, pour chercher l'avant-dernière merveille du monde. De Saint-André. Bon, elle devrait pas être difficile à trouver. C'est un amas de rochers. Qu'est-ce qu'elle a à rougner? Allez, on se retrouve plus tard. Et nous sommes arrivés... Oula, on ne voit pas du tout là. Et nous sommes arrivés sur les lieux de la Grande Muraille de Chine. Bah, qu'est-ce qu'on aura voyagé aujourd'hui? Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à la trouver. À la loguer. Et puis on est reparti. À plus tard. Et c'était la dernière. On rentre à la voiture juste après. Et voilà. Les 7 merveilles du monde de toutes. Le long de la rivière du Mas à Saint-André. Donc, sur les 7 merveilles, nous en avons trouvé 6. Voilà, une qu'on n'a pas trouvée. On n'était pas les premiers à ne pas la trouver. Mais bon, voilà. Bon, en même temps, il y a eu un petit peu d'élagage aux alentours, entre-temps, à mon avis. Donc, du coup, bon, bah, elle a dû un peu disparaître. En tout cas, merci beaucoup à l'honneur, la flèche 974. Voilà, parce que c'est un super petit circuit, malgré les moustiques. Donc pour les personnes sensibles, n'oubliez pas de vous munir d'un pantalon, d'un spray anti-moustique, très utile. Voilà. Après il y a un petit coin de baignade assez sympa un peu plus loin. Autre chose, il y a 2 caches qu'on n'a pas pu loguer sur le papier, parce que le papier était trempé. Voilà, malheureusement j'avais pas de logbook de rechange, mais comme vous le savez hein, les caches ont été assez grandes. Du coup... Elles ont toutes reçu, pour celles qu'on a trouvées, un petit badge. Voilà, comme ça, ça montre aussi que je suis passé. Hein. Donc, merci de nous avoir suivis tout au long de cette petite marche, qui nous a quand même pris un petit moment, il y a à peu près 10 km à faire, pour ces 7 merveilles.
Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Et en attendant, bah, vous pouvez regarder mes autres playlists, Plongée et d'Ocarina. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et peut-être avec nos géotoutous. Hein, Guigui, Inès et Pixie. Coucou les deux là. Et vous voyez qu'elle en fait partie, cette merveille. Je sais pas.